pas de changer la parole de Dieu. Tu n'oseras pas de dire de n'importe quoi au nom de Jésus. Tu n'oseras même pas de te faire voir dans l'église de Dieu. Au lieu de faire voir au peuple de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici moi votre pasteur, je suis riche, je suis beau, et voici ma famille. Donc tu amènes toute ta famille devant là, comme si que ce sont des anges, Gabriel sont là, comme si que... Mais non. Alléluia. Amen. Tu amènes toute ta famille, tu amènes tes parents, tu amènes tes cousins, ta marchandise. Oh, dernier point. Tu deviendras sa marchandise. Pour ne pas devenir la marchandise de ton pasteur que je suis, tu dois te laisser entre la main puissante de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et non, entre la main de ton pasteur que je suis. Si tu viens à l'église, si tu te laisses entre mes mains, tu seras utilisé. Alléluia. Amen. Je te dirai que non, prends ma Bible. Dès que je passerai devant toi, amen, apporte ma Bible. Alléluia. Amen. Tu es devenu une marchandise. Amen. Tu seras utilisé. Je faisais même de faire appel à la maison, dans ma maison. Viens, nettoie ma maison, fais ceci. Non. Quand tu viens à l'église, tu te laisses entre la main de Dieu. C'est lui qui va te former. Bien qu'il travaille à travers ce serviteur, tu dois respecter ton pasteur. Tu dois respecter ton pasteur, mais tu n'adoreras jamais ton pasteur. Alléluia. Mm. Pour ne pas devenir sa marchandise, il faut éviter. Amen. Le pays sera détruit et le pays ne sera jamais sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Samuel, dans son vivant, il a parlé de la part de Dieu à Saoul. Et Saoul, par son orgueil, Saoul avait désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi à l'ainsi dit l'Éternel. Dehors, dès qu'ils comprennent que non, cet homme a la vérité dans sa bouche, oh,
Je ne suivrai jamais cet homme, mais je suivrai la parole qui sort de sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent. Une longue vie pour ceux-là qui nous trahissent. Afin qu'ils sachent que non, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit et tu agiras dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que ces gens-là puissent devenir tes les enfants. Le péché nous sépare avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle engendre la mort physique sans Jésus. Et la mort physique sans Jésus engendre l'enfer. Dieu n'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présenta Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi, tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu dévia la demande d'Abraham. Il te fait voir ce qu'il t'a fait déjà donner. Yeah.
Ce soir, nous sommes venus auprès de toi afin que nous puissions célébrer ton Saint-Nom, afin que tu puisses nous parler, ô Père de gloire. Voilà pourquoi, Père, désormais, nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous t'invitons, nous te supplions, Seigneur de gloire. Parle-nous ce soir, ô Père. Nous savons très bien que le pauvre diable n'est pas du tout content. Seigneur, avec le pouvoir que tu nous as donné, l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et surtout, toute puissance impie et rien ne pourra nous nuire. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je marche au-dessus d'eux. Je casse leur tête dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père des âmes, merci. Que ton Esprit Saint puisse demeurer en nous, Seigneur. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Ce n'est que rien, c'est un simple instrument que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Accorde-moi ton intelligence, accorde-moi ta sagesse, accorde-moi ta connaissance, afin que je puisse parler de ta part. Merci Seigneur de gloire de m'avoir accordé cela. Sois loué, sois béni, sois exalté. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, bénis ton peuple, mon Dieu. Ô Seigneur de gloire, merci la nourriture, merci El Shaddai. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'ai prié. Amen. 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 Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Prenons la Bible et prenons dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Thank you.
de Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu. Je pense que la parole de Dieu est claire envers nous. Et la parole de Dieu est toujours vérité. Voilà pourquoi mon thème d'aujourd'hui est intitulé « Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est ». Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous connaissons très bien l'histoire d'Adam et Ève. Et d'ailleurs, nous venons de lire la parole de Dieu. Comment Ève, en tant que la femme d'Adam, était séduite par le serpent, du diable utilisant le serpent afin qu'il puisse tromper la femme qui était Ève. Je vous ai plusieurs fois dit, Satan ne pouvait jamais se présenter devant Adam parce qu'il savait très bien que Adam était formé par lui-même Dieu. Adam était instruit par Dieu. Donc, s'il osait de se présenter devant Adam, il ne pouvait jamais réussir Adam. Voilà pourquoi il se présenta devant Ève. Parce que Ève était formée par son mari. Alléluia. Amen. Bien aimé, une petite révélation. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, si tu es formé par Dieu, tu ne seras jamais tombé devant les pauvres diables. Alléluia. Amen. Si tu es affermi par Dieu, tu ne seras jamais séduit par les pauvres diables. Oui. Vous allez me dire que non, Dieu ne peut pas descendre ici sur la terre pour nous former. Dieu a déjà formé les apôtres et les apôtres ont formé leurs disciples. Alléluia. Oui, Dieu travaille à travers ses serviteurs. Voilà pourquoi il est beaucoup mieux quand tu arrives à l'église de ne plus venir voir ton pasteur, de ne plus venir recevoir ce qui sort dans la bouche propre de ton pasteur, mais recevons ce qui sort dans la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Recevons beaucoup plus la pensée de Dieu et non la pensée de nos pasteurs. Si nous recevons la pensée de notre Dieu, nous serons affermis. Nous serons mûrs. Il y aura la croissance en nous. Tu comprendras au moment que ton pasteur est en train de prêcher la parole de Dieu. Tu comprendras que non, cette parole ou ces paroles viennent de l'Éternel ou de ton pasteur propre. Alléluia. Il y a des prédications viennent de l'Éternel et il y a aussi des prédications viennent directement de ton pasteur, c'est-à-dire sa parole propre à lui. Alléluia. Si Dieu est en train de t'enseigner, bien-aimé, tu seras fort, tu seras mûr. Tu seras fort, tu seras fort, tu seras mûr. Tu seras affermi. Adam, il était formé, affermi par lui-même Dieu. Mais le problème est que, il n'est pas là, c'est juste une introduction.
J'ai dit que mon thème est intitulé « Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est ». Nous venons de lire la parole de Dieu. Lui-même, Satan, appelle Dieu, Dieu, avec le D majuscule. Alléluia. Amen. Satan connaît très bien que non, le Dieu créateur, il est son maître, il est son Dieu. La Bible n'est pas maçonnée Dieu avec les petits D, mais avec le grand D. Alléluia. Amen. Satan dit que non, Dieu dit que non, Dieu sait que non, le jour que vous mangerez le fruit, vous aurez la connaissance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas maçonné D avec le D petit et avec X à la fin. Ce D, le grand D. Dieu avec le grand D et non Dieu avec le petit D et avec X à la fin. Non. Il sait très bien. Le serpent se présentant devant Ève comme si que non, celui qui a la vérité. Comme si c'est lui qui a la vérité et le Dieu créateur a le mensonge en lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Ève vit qu'elle manquait l'esprit de discernement, vit qu'elle convoitait déjà le fruit. Voilà pourquoi elle avait accepté avec beaucoup de facilité les mensonges du pauvre diable. Elle croyait que non, ce que le diable lui disait, c'était la vérité. Or que non, le diable était là pour déformer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable était là pour convertir la parole de Dieu au mensonge. Alléluia. Amen. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce mot convertir. Voilà pourquoi mon thème, je répète encore, mon thème est intitulé « Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est ». La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus. Jésus n'a pas de défauts. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas des erreurs en lui. Il n'y a pas des infirmités à cet homme-là, Jésus. Amen. Il est correct. Il est complet. Il n'a pas de défauts en Jésus-Christ. Quand il dit quelque chose, bien aimé, sachez-le que non, cette parole est vraie. Certainement vraie. C'est la vérité. La vraie parole. La parole de Dieu est véritablement. Donc on ne peut pas déformer la parole de Dieu. Le serpent devant Ève a converti la vérité au mensonge. Alléluia. Amen. Voilà le service du serpent. Il a converti la vérité au mensonge. Donc, le mot converti veut dire tout simplement changer une chose à une autre. Alléluia. Amen. Changer une chose à une autre. Donc le pauvre diable a changé la vérité à ses mensonges ou à son mensonge à lui. Alléluia. Amen. Quand je dis ses mensonges, c'est-à-dire au pluriel. Deuxième, changer d'unité. Troisième définition, convertir des mètres en centimètres. Donc on peut changer une chose avec beaucoup de facilité. Alléluia. Amen. Quatrième, faire changer de religion. Tu étais musulman, tu es devenu chrétien ou chrétienne. Alléluia. Amen. Soit tu étais chrétien, tu es chrétien ou chrétienne, tu es devenu musulman ou musulmane. Alléluia. Nous le verrons. Alléluia. Il est la conversion des gens. Alors, Satan a manqué du boulot.
Il a manqué du boulot. Au lieu de faire son travail à lui, il avait préféré de convertir la parole de Dieu, la vérité, à son mensonge à lui. Alléluia. Mm-hmm. Chose impossible. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, il faut être comme les chrétiens de Béret. Quand on vous dit quelque chose, il faut vérifier dans les Écritures. La parole de Dieu est vraie. Dieu n'a jamais menti. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'a jamais menti Adam. Il n'a jamais menti Adam. Et Adam, il a bien enseigné sa femme. Bon, je ne sais pas si sa femme était affermie. Alléluia. Je pouvais lui dire que non, cette femme-là, elle n'était pas affermie. Si quelqu'un est affermi, même si que une personne se présente devant lui avec une grande bénédiction, si tu es une femme mariée, même si tu es un homme encadré par quelqu'un, tu dois d'abord demander l'autorisation, l'avis de celui qui te dirige, alléluia, amen, qui est en train de te diriger plutôt. Mm. Femme, tu dois demander l'avis de ton mari. Comme aussi mari, tu dois demander l'avis de ta femme. Tu ne peux jamais faire quelque chose comme ça sans avoir l'avis de l'un l'autre. Non, tu dois demander, tu dois poser la question. Quand la femme a présenté le fruit devant son mari, Adam savait très bien que non, j'ai un maître. J'ai quelqu'un qui m'a enseigné. J'ai quelqu'un qui m'a formé. Il faudrait que je puisse aller demander à cette personne-là si c'est vrai ce que le Messie B est en train de dire. Mais non, lui, il a accepté avec beaucoup de facilité le propos de sa femme. Voilà pourquoi ils étaient chassés. Tout simplement, le serpent a converti la vraie parole de Dieu à sa fausse parole. Alléluia. Amen. Qui peut défier Dieu? Est-ce que nous avons le pouvoir de défier Dieu? Nous avons le pouvoir de défier Dieu. Nous remarquons aujourd'hui, au lieu de prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est, d'où de recevoir l'inspiration de Dieu, maintenant, nous prêchons la parole de Dieu selon nos propres volontés, alléluia, selon notre intelligence, selon notre sagesse. Écoute, cet homme Salomon, il a préféré de demander d'abord l'intelligence de Dieu afin d'enseigner, de diriger, de juger le peuple de Dieu. Cet homme s'est minimisé. Salomon avait beaucoup d'argent. Son père lui avait laissé des richesses. Mais il n'a pas manifesté l'orgueil. Il savait très bien que non, j'ai beaucoup d'argent. Je suis resté avec la richesse de mon père. Mais avec cet argent, je ne ferai absolument rien devant le peuple de Dieu. Pour que je puisse travailler très bien, je suis obligé, je serai obligé d'invoquer, de demander l'intelligence afin que cette intelligence puisse venir m'aider. Alléluia. Amen. Salomon n'a jamais demandé l'argent parce qu'il avait beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu convertir la parole de Dieu, la vraie parole. Alléluia. Amen. Attention de changer quelque chose de Dieu par ta propre volonté, c'est grave, c'est punissable. Nous allons voir les Écritures. Tu risques même d'être retranché devant les enfants de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous les prédicateurs, nous sommes surnommés de gauche et à droite. Nous sommes surnommés en tant que des faux pasteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de convertir, de changer la parole de Dieu. Or que nous devons laisser la parole de Dieu telle qu'elle est. Si nous convertissons la parole de Dieu, si nous changeons la parole de Dieu, c'est automatiquement nous changeons Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ a des défauts dans sa vie.
Or que la Bible dit, Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole habitait parmi nous. Alléluia. La parole a été faite chair. Alors, pourquoi osons-nous de convertir la parole de Dieu à nos propres enseignements? Alléluia. Amen. Chose impossible. Là où la Bible n'a jamais parlé la prospérité, mais nous ferons par tous les moyens pour que nous puissions parler de la prospérité afin de nous enrichir. Alléluia. C'est la déformation de la parole de Dieu. Nous changeons directement la parole de Dieu. Automatiquement, tu seras appelé en tant qu'enfant du diable. Parce que c'est le diable qui a changé, qui a converti la parole de Dieu devant Ève. Alléluia. Voilà pourquoi nous défions Dieu. Vu que nous changeons la parole de Dieu, c'est d'abord manque du respect envers ce Dieu-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien-aimé, attends. Ce qui est écrit est écrit. Amen. Ça ne sera jamais effacé. Nous ne pouvons jamais retrancher la parole de Dieu. Nous ne pouvons jamais ajouter là où Dieu a déjà écrit. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un bruit, je dis à tout moment. Il est plus intelligent que tout le monde. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible nous dit Dieu a créé la terre, le ciel et la terre, toutes les choses à travers sa parole. C'est pour nous dire que non, d'abord sa parole est puissante. Sa parole est vivante. Sa parole n'a pas de défauts. Alléluia. Amen. Alors pourquoi osons-nous de convertir la parole de Dieu? Écoutez. Si nous voulons devenir des monnaies et des changeurs de monnaie, on peut bien le faire. Alléluia. Amen. On peut que convertir la monnaie. Vous pouvez convertir l'euro en dollar. L'euro dollar en franc congolais ou en franc CFA, voire même en franc belge. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas convertir la parole de Dieu, la vraie parole. C'est grave, bien-aimé. Attention. Lisons Deutéronome chapitre 4, verset 2. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Deutéronome chapitre 4. Nous courons derrière la malédiction sans le savoir. Deutéronome chapitre 4, verset 2. La Bible dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'arrêterez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous les prescris. Alléluia. Amen. Ha! Bien-aimé, avec l'orgueil, ça sera grave pour nous devant Dieu. Alléluia. Si nous osons les retrancher la parole de Dieu, si nous osons d'ajouter nos propres paroles afin de tromper le peuple de Dieu, bien aimé, nous faisons convertir la parole de Dieu. Or que la Bible dit, vous ne retranchez pas. Nous devons suivre correctement. Nous devons observer les lois, les commandements de Dieu, tels qu'il nous a prescrits. Alléluia. Amen. Moïse n'a jamais retranché la parole de Dieu. Non. Il a communiqué, il a enseigné au peuple de Dieu tel qu'il avait reçu auprès de son Dieu. Moïse n'a ni retranché, ni ajouté. Alléluia. Amen. Ah, waouh.
Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. La parole de Dieu n'a pas de défaut. La parole de Dieu est véritablement. Elle n'a pas de défaut. Alléluia. Amen. Faisons nos défis entre nous, hein, mais ne faisons pas le défi envers Dieu. Non. Ça, c'est pour provoquer la colère de Dieu. Si nous osons de retrancher la parole de Dieu, si nous osons de bafouer le commandement de Dieu, attention, nous serons bafoués aussi par Dieu. Alléluia. Amen. Nous serons bafoués par Dieu. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous le prescris. Vous n'ajouterez rien. Vous n'ajouterez rien, comme la Bible nous dit. Vous ne retrancherez rien. Mais le mais efface déjà les deux verbes. D'ajouter ou de retrancher. Le mais efface déjà cela. Alléluia. Amen. Le mais donne la priorité à notre Dieu créateur. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. Apocalypse, je suis là, je lis la parole de Dieu. Je le déclare à quiconque attend les paroles et la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera de fléaux décrits dans ses livres. 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans cette livre, dans ce livre. Alléluia. Bien-aimés, faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. Ça, c'est la révélation que Dieu a fait voir à son serviteur, l'apôtre Jean. Alléluia. Il a bien souligné, il a bien tapé. Je le déclare à quiconque attend les paroles. Bien, nous attendons très bien la parole de Dieu. Nous recevons très bien la parole de Dieu. Nous recevons très bien la prophétie par excellence, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous osons aussi d'enlever, de retrancher, d'ajouter nos propres paroles, nos propres prophéties. Que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Oh, que non, c'est toi-même. Tu y as ajouté là où Dieu n'a jamais parlé. Alléluia. C'est ainsi dit toi-même. C'est ainsi dit ton Dieu de Baal. Ce n'est pas ainsi dit l'Éternel Dieu. Alléluia. Mm-hmm. Tu viens, tu ajoutes, tu retranches de Dieu. Dieu peut te parler pour une personne. Mais si tu as des mauvais, le mauvais esprit en toi, tu ne diras jamais la vérité à la personne. Là où Dieu a parlé, a prophétisé pour la personne, peut-être une parole de la bénédiction. Mais si tu n'aimes pas la personne, tu le diras que des mensonges. Alléluia. Juste pour citer la personne. Là où il n'y a pas la malédiction, tu diras à la personne que non, Dieu m'a fait voir ceci, tu es maudit, tu es maudit, tu es maudit. Pourquoi? Parce que, à fin de compte, tu demanderas quelque chose à cette personne-là afin de t'amener l'argent, sur ce quoi-là, afin de prier pour la personne. Or, que ce n'était pas la prophétie de Dieu. Tu as déformé totalement la parole de Dieu. Alléluia.
beaucoup de prophètes, beaucoup de hommes de Dieu. Nous sommes là pour convertir la parole. Alléluia. C'est très grave. C'est très, 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 très grave, même, bien-aimé. Attention. C'est comme une personne, c'est comme quelqu'un qui a converti sa vie, qui a converti de sa vigne en champ de blé. Alléluia. Tu as ton entreprise, mais tu voulais transformer, tu voulais changer ton entreprise. Alléluia. Vu que cette entreprise ne marche pas très bien, tu voulais faire quelque chose à la place de cette entreprise et de ce que tu faisais avant. Alléluia. Tu voulais faire d'autres choses. Donc, si c'est ta propriété, tu peux bien changer, tu peux bien convertir. Alléluia. Mais ne change pas ce qui est de Dieu. Ne change pas ce qui est de Dieu. Attention. Aujourd'hui, la vérité est changée au mensonge. Alléluia. Les gens n'aiment pas dire la vérité. Là où est la vérité, les gens disent les mensonges. Là où est la vérité, les gens disent les mensonges. Pour dire la vérité, non. Automatiquement, nous sommes devenus des serviteurs, des enfants du pauvre diable. Parce que nous convertissons la vérité au mensonge. Ça ne peut pas se faire, bien-aimé. Ça ne peut pas se faire. L'Église de Dieu est convertie. Alléluia. L'Église de Dieu, les églises d'aujourd'hui sont converties. Les églises d'aujourd'hui sont converties. On a tout changé. Vous pouvez avoir même les statuts, le règlement d'autre intérêt dans votre église, mais vous ne pratiquez pas cela. Alléluia. Amen. Chacun de nous fasse ce qu'il vit, parce que c'est son entreprise à lui. Mais si c'est l'Église de Dieu, nous ne pouvons jamais convertir l'Église de Dieu. Jamais. Dans l'Église de Dieu, les gens n'aiment plus écouter ou prêcher la vérité telle qu'elle est. Le Christ de Dieu est devenu lieu de rencontre pour faire voir aux gens tes propres activités. Le Christ de Dieu aujourd'hui est devenu soit un supermarché. Alléluia. Les églises de Dieu aujourd'hui sont devenues le centre de formation. Alléluia. Ah. L'Église de Dieu est convertie à une autre chose. Alléluia. C'est grave. Nous serons sévèrement jugés. Nous serons sévèrement jugés, bien-aimés, sans vous mentir. L'Église de Dieu est changée à une autre chose. Comment expliquer? Nous convertissons l'Église de Dieu. Pourquoi de tels comportements? Dimanche, je vous ai parlé de la part de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos mathématiques. Dieu n'a pas besoin de nos sciences, de sciences de ce monde. Mais Dieu a besoin de sa connaissance. Que nous puissions pratiquer sa connaissance. Dieu n'a pas besoin de l'histoire, de la géographie qu'on avait étudiée. Alléluia. Non.
Nous devons enseigner au peuple de Dieu la parole de Dieu. Qui est Jésus? Alléluia. Qu'est-ce que la parole? C'est ça que Dieu fait, c'est ça que Dieu attend de nous. Nous devons enseigner, prêcher au peuple de Dieu les commandements de Dieu. Écoute, si nous lisons dans Matthieu chapitre 28, nous les verrons. Jésus n'a pas demandé de grandes choses. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant. Enseignez-les. Tout ce que je vous ai prescrit. Christ a prescrit quoi? Christ a enseigné quoi? Ce n'est que ses commandements. Même Moïse, avant de laisser sa place à Josué, il a fortifié Josué. Il a dit à Josué, il a fait même la révision des préceptes de Dieu, des commandements de Dieu à son peuple. Alléluia. Vous verrez aujourd'hui, pose même une question, pose même la question à un fidèle de Dieu. Pose même la question à un fidèle de Dieu. Si les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont enseignés, s'ils connaissent vraiment que non, là où se trouvent les 10 commandements, qu'est-ce que Jésus est venu faire dans ce monde? Alléluia. Posons cette question. Nous verrons peut-être sur 100%, même 20% qui vont réussir. Même 20% qui réussiront. Pour une simple question. Pose cette question. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a aboli le commandement ou il a fait quoi? Oui, il peut te dire que non, il n'était pas venu abolir, mais était venu accomplir. Mais ça se trouve où? Dans quel verset? Dans quel livre? Alléluia. Parce que les fidèles de Dieu ne sont pas enseignés. Ne sont pas enseignés. Ils ne connaissent pas la Bible, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas assis. Bien-aimé, écoute. Si tu arrives à l'église, je l'ai dit chaque fois, il faut venir toucher Jésus. Il faut que tu te laisses entre la main de Jésus. Alléluia. Tu seras fermé. Tu ne seras jamais converti. Écoute, aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous osons de convertir la parole de Dieu. Et nous permettons aussi de convertir les fidèles de Dieu. Les fidèles de Dieu sont aujourd'hui convertis. Nous changeons avec beaucoup de facilité les fidèles de Dieu. C'est-à-dire que nous trompons les fidèles de Dieu. Comment pouvez-vous recevoir, saisir la bonne parole ou la vraie parole, la bonne nouvelle? Mais non, vous n'arriverez jamais. Nous prêchons la parole de Dieu pour nos propres intérêts, pour s'enrichir. Tu convertis la parole de Dieu pour tes propres intérêts, pour que les gens puissent te voir que non, tu espères. Non, il n'y a pas d'espoir dans la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'espoir. En commençant par Pierre, tous ces gens-là ont vécu ensemble avec Christ. Ils ont marché avec Christ. Paul n'était pas là. Alléluia. Paul était venu après. Mais aujourd'hui, parmi eux, les apôtres, qui a beaucoup écrit? Si ce n'est pas Paul, qui est l'apôtre par excellence? Si ce n'est pas Paul, alléluia. Amen. Est-ce qu'il a vécu ensemble avec Christ? Il a mangé avec Christ? Non plus. Alléluia. Amen. Il n'a pas là parlé des choses terribles. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas les révélations de Dieu, tu ne peux jamais comprendre les écritures que Paul a écrites. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais comprendre. D'autres paroles que Paul a écrites. Parce qu'il était inspiré par Dieu. Pour bien comprendre les Écritures, là où Paul a écrit, bien aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas inspiré par Dieu, tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais. Il a écrit.
Mais il n'a jamais vécu ensemble avec Jésus. Il n'a jamais mangé ensemble avec Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons jamais retrancher et nous ne pouvons jamais ajouter nos paroles. Nous devons prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Si nous retranchons, si nous ajoutons, cela veut dire que Christ a des défauts. Donc nous pouvons bien réparer Christ. Nous prions Jésus, entre-temps, nous sommes en train de corriger sa parole. C'est-à-dire que nous prions un Dieu qui a des défauts. Alléluia. Là, on a parlé de la vie éternelle, de la repentance, des péchés. Non, ça, ce n'est pas le péché. On transforme cette parole. On transforme cette phrase. Pourquoi? Parce que si je prêche le péché, si je prêche la sanctification, je n'aurai pas le fidèle dans l'église. Et il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus des offrandes. Alléluia. Voilà pourquoi je dois convertir cette parole de la sanctification. Et à celle de la prospérité. Alléluia. Prêchons la parole de Dieu comme il faut. Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. Que personne ne change la parole de Dieu. Même si que tu es docteur, même si que tu es licencié, même si que tu es gradué, même si que tu es déçu, même si que tu es breveté, même si que tu n'as pas étudié, Dieu n'a pas besoin que les gens, un être humain puisse changer sa parole. Dieu n'a pas besoin qu'un être humain puisse convertir sa parole. Alléluia. Laisse-la telle qu'elle est. Laisse-la telle qu'elle est. Prophète, prophétesse, parle de la part de Dieu. Ne déformons pas la parole de Dieu. Parlons selon l'ainsi dit l'Éternel. Si tu n'as pas de quoi à parler, ferme ta bouche. Alléluia. Au lieu de dire les mensonges, au lieu de tromper les gens. Sachons que Nécromancie parle, Python aussi parle, Belzéboul parle, Béliel parle. Toi, tu crois que non, c'est Dieu qui est en train de parler, or que c'est l'esprit de Python. C'est Béliel qui parle. C'est Belzéboul qui parle. C'est Zézabel qui parle. Ce n'est pas Dieu. Ève croyait que non, ça c'était vraiment Dieu. C'était Dieu, c'était ange de Dieu. Or que le serpent. Vu qu'elle a vu que non, c'est son mari qui avait donné le nom de serpent au serpent. Donc oui, c'est Dieu qui a un Dieu qui est Dieu qui utilisait le serpent. Donc je vais croire. Alléluia. Manque de discernement. Tu seras trompé par un pasteur qui a l'esprit de Python. Tu seras trompé par un pasteur qui a l'esprit de Jézabel. Tu seras trompé par un pasteur qui a l'esprit de Bélial. Tu seras trompé par un pasteur qui a l'esprit de Baal. Alors maintenant, tu verras. Parce que tu ne veux plus méditer la parole. Tu ne veux plus sonner les écritures. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, bien aimé, tu auras des révélations. Amen. Si tu n'as pas de révélations, bien aimé, même si on vous prêche le mensonge, tu ne comprendras jamais. Amen. Tu ne comprendras jamais, tu resteras qu'aveugle. Or que Paul, les écailles ont été tombées. Et attention! Nous ne pouvons jamais déformer, changer l'église de Dieu ou de convertir l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, nous allons faire que l'œuvre de Dieu. Dieu a dit, vous ferez que mon œuvre, pas l'œuvre d'une certaine personne. Alléluia. Nous ferons que l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de venir avec, si c'est quoi là, de faire voir au peuple de Dieu des choses passagères. Maman nous a prêché ici là sur le thème, mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte aussi de mauvais fruits. Bien aimé, si tu te croises avec un beau arbre, sache-toi que non, tu recevras de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Parce que tu produiras de bons fruits. Mais si tu te croises avec un mauvais arbre, hey,
L'église de Dieu est convertie des lieux de crime. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 4. L'église de Dieu est convertie à celle des crimes. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 4, verset 8 seulement. La Bible dit, cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Amen. Il était où? Dans le champ. Alléluia. Le champ nous représente quoi? L'église. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui s'est convertie à celle des crimes. Nous osons de convertir l'église de Dieu. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle, nous prêchons les mensonges, nous prêchons la haine, nous prêchons la colère, nous prêchons la jalousie. Donc tu vois des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. L'église de Dieu est transformée. L'église de Dieu est changée. Est convertie à une autre chose. Ça devient maintenant le lieu des crimes. Le lieu de rancune. Lieu de jalousie. Lieu de colère. Alléluia. On te fait voir comment garder la colère dans ton cœur. On te fait voir comment garder la haine dans ton cœur. On te fait voir comment garder la rancune dans ton cœur. On te fait voir comment coucher avec une autre femme, avec la femme d'autrui. Comment commettre l'impudicité. Comment commettre l'adultère. Alléluia. Amen. Comment tu peux devenir ivrogne dans l'église d'aujourd'hui? S'il n'y a pas la bonne nouvelle, bien-aimé, laissez-moi vous dire, vous ne serez jamais, jamais affermi. Vous ne grandirez jamais. Vous ne pouvez jamais grandir. Non, il n'y aura pas la croissance divine. Il n'y aura pas la croissance divine. Dans l'église de Dieu, vous trouverez le supermarché. Au champ là-bas. Wenzabayakana, quatre églises ensemble. Alléluia. Les femmes sont en train de vendre leurs trucs. Ma sœur. J'ai amené des bijoux. Tu vas prendre? Donne-moi seulement. Des pannes. Alléluia. Dans l'église de Dieu, ça devient maintenant le marché. Le supermarché. On va maintenant. Même la parole de Dieu se vendit dans la parole, dans l'église de Dieu. Alléluia. Même la guérison se vendit. La délivrance, si tu n'as pas l'argent, tu n'auras pas la délivrance. Alléluia. Amen. L'église de Dieu est transformée à une autre chose. Amen. Lieu de rencontre. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11, verset 15 à 18. Il arriva à Jérusalem, et Jésus entrant dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de les faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Alléluia. Amen. Voilà le temple de Dieu.
L'église de Dieu est devenue une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Alléluia. L'église de Dieu est devenue le supermarché. L'église de Dieu est devenue Auchan. L'église de Dieu est devenue marché de Bayaka. L'église de Dieu est devenue marché de Gambela. L'église de Dieu est devenue ce grand marché en Gambela ville. Comment expliquer? Vous trouverez les changeurs de monnaie. Vous trouverez les vendeurs de pigeons. Vous trouverez les vendeurs de panne. Vous trouverez les vendeurs de pigeons. Vous trouverez les coureurs de jupons. Vous trouverez toutes sortes de personnes dans l'église de Dieu pour le moment. Alléluia. L'église de Dieu est convertie à une autre chose. Alléluia. L'église de Dieu est changée à une autre chose. Comment expliquer? Comment expliquer? L'église, la vraie église de Dieu, peut être changée à une autre chose. Voilà pourquoi Dieu est en colère. Voilà pourquoi Jésus entra, il chassa, il frappa, il renversa leur truc. Alléluia. Bien-aimé, si tu viens à l'église, bien-aimé, attention. N'entre pas avec tes histoires-là. N'entrez pas avec tes histoires. Moi, je vous dis souvent, ici, là, dans l'église Dieu d'amour, n'essaye même pas de venir avec ton sac là et avec des trucs là-dedans pour donner aux gens, pour vendre aux fidèles de Dieu. Non. Ça sera consumé par le feu de Dieu. Alléluia. Automatiquement, vous faisiez l'appel de feu étranger. Vous faisiez entrer le feu étranger dans l'église de Dieu. Si l'autre ne paye pas, ça sera maintenant comment? Il y aura maintenant des disputes, des querelles. Cette sœur-là ne paye pas. Son mari n'a pas beaucoup d'argent. Là maintenant, vous commencerez à critiquer les gens. Moi, je n'aime pas ces histoires-là ici dans l'église de Dieu. Ça, ce n'est pas ma boutique. Ça, ce n'est pas mon entreprise. C'est l'église de Dieu. Je ne permettrai jamais, jamais, plus jamais de venir vendre vos histoires ici dans l'église de Dieu. Arrêtez avec vos histoires dehors. Il y a des marchés publics, va chercher la table là-bas. Après la prière, va exposer tes histoires, vends des trucs là-bas, alléluia. Vends des bijoux là-bas. Oh, je vais partir en Chine, en Dubaï, vu qu'à l'église, il y a des femmes. Les femmes aiment beaucoup habiller. J'en viens avec. Ça sera consumé par la prière. Le Père de Dieu consumera tous ces trucs-là. Et tu seras perdant ou perdante, alléluia. Comment expliquer? Vous faisiez entrer le feu étranger dans l'église de Dieu, dans le temple de Dieu. Si tu n'as pas de révélations, tu permettras de telles choses. Mais si tu as des révélations de Dieu, si tu comprends la révélation de Jésus, c'est dans Marc 11. Bien aimé, tu inviteras en tant que leader, en tant que le pasteur de cette église, tu inviteras toutes ces choses-là. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'enflamme toujours à ses serviteurs. Alléluia. Au lieu que vous soyez affermis, écoute, tu es là, tu es assis. Le pasteur est en train de prêcher. Ton esprit n'est pas là. Ton esprit n'est pas là. Toi, ton esprit est dirigé vers une personne. Dès qu'on va finir, je vais distribuer comme les trucs. Donc, tu fais tes calculs. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il n'a pas besoin de mathématiques ici, là. Alléluia. Amen. Tu fais tes histoires. Dieu n'a pas besoin de ton histoire, ni de l'hyperne, là. Tu fais tes géographies. Dieu n'a pas besoin de tes géographies. Tu commences. Là, on peut. Toi, tu fais tes comptabilités. Hein? Dieu n'a pas besoin de tes comptabilités. Il n'a pas besoin de gestionnaire ici, là. Alléluia. Amen. Lui-même, il est vrai gestionnaire. Amen. Il sait comment gérer son entreprise. Amen. Va faire ta comptabilité, dans ta maison. Ici, là, tu es venu prendre la connaissance de Dieu. Tu es venu comprendre qui est Jésus. Tu es venu pour chercher la face de Dieu. Écoute, cette femme pauvre, cette pauvre femme qui perdait le sang pendant 12 ans, écoute, celle qui était païenne, mais elle décida de toucher le vêtement de Jésus. Toi, tu es en présence de Dieu, enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit, mais tu n'arrives pas.
pas saisi le vêtement de Jésus. Pourquoi? Parce que tu arrives pour faire d'autres choses. Dieu n'est pas du tout content. Dieu n'est pas content. Jésus chassera toutes ces choses-là. Jésus renversera toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous dis, si tu apportes, si tu amènes tes trucs ici-là, à moins que Dieu ne puisse pas me révéler. Si Dieu me révèle, bien-aimé, toutes ces choses-là seront consumées par le feu de Dieu. Alléluia. Amen. Tu risques même de ne plus vendre. On court derrière la malédiction. On transforme la parole. On convertit la parole. On convertit le fidèle de Dieu. On convertit aussi l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Comment expliquer? Comment expliquer? Ce n'est pas du tout bien. Dans l'église de Dieu, vous verrez, je l'ai déjà dit à mon épouse, hein, dans cette église, dans l'église de Dieu, je n'accepterai plus jamais de telles choses. Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu n'a pas dit, allez, faites des disciples et puis enseignez-les comment une femme peut servir son mari dans leur chambre. Alléluia. Mm. Dieu n'a pas dit cela. Mm. Ce n'est pas ça la mission que Dieu nous a donnée. Mm. Un dimanche, mercredi, vendredi, vous prêchez la parole de Dieu avec les enfants, là-dedans, dans l'église de Dieu, vous prêchez des choses négatives. Alléluia. Amen. Quand elle était épousée, qui l'avait enseignée? Alléluia. Amen. Celle qui a déjà deux enfants, trois enfants, comment elle a eu cet enfant? Comment elle a eu cet enfant? Alléluia. Amen. Est-ce toi ou maman, parce qu'il les a montrés? Non! Elle connaissait déjà ces histoires. Mais pourquoi dans l'église de Dieu, on se permet d'enseigner une foule de mamans comment tu peux servir ton mari dans la chambre? Mais c'est de n'importe quoi, alléluia. Et vous trouverez dans leur tête, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ben oui, ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Au lieu d'enseigner le maman, Si on peut encourager les mamans, comment soutenir l'œuvre de Dieu, comment prier, comment chauffer les feux pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Alléluia. Amen. Là, je suis d'accord. Hein. Rassemble toutes les mamans. Rassemble toutes les mamans. Enseigne-les. Faites-les voir comment l'œuvre de Dieu peut aller en avant. Mais ce n'est pas d'enseigner les mamans les histoires qu'ils ont déjà connues bien avant. Alléluia. Mm. Peut-être que parmi eux, à l'âge de 18 ans, ils ont déjà fait cela. Mais toi, parfois tu es leur petite sœur, mais vu que tu es la femme d'un pasteur, tu te permets de tenir devant eux et de dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce sont des choses passagères. Tu n'entreras jamais au royaume des cieux avec le cours là, avec des enseignements négatifs là. Alléluia. Mm. Ça va rester ici là. Mm. Ça restera ici. Aujourd'hui, on veut voir comment tu peux servir ton mari dans votre chambre. Mm. Et dans la nuit, Dieu reprit ton esprit. Tu feras quoi maintenant? Mm. Tu feras quoi? Alléluia. Mm. C'est à vous d'apprendre ou d'en laisser. Alléluia. Amen. Moi, avec de tels enseignements, ça sera rejeté directement. Ça sera rejeté directement. Vous rassemblez les jeunes femmes, les jeunes fiancés, soit qui n'ont pas encore de fiancés. Venez, on va vous enseigner bien avant. Quand vous allez atteindre 18 ans, mais ça c'est pour faire dérouter les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dans leur tête, elles vont rester avec quoi? Elles vont rester avec quoi? Tu es le premier d'enseigner le peuple de Dieu, ne fais pas le rapport sexuel avant le mariage. Et tu es aussi la première d'enseigner de telles choses à ces enfants-là. Tu sais, tu sèmes quoi dans leur tête? Voilà pourquoi je vous dis que non, même les fidèles de Dieu sont convertis. Alléluia. Amen. On
change même les fidèles, on change même les pensées des de peuples de Dieu, on change même leur mémoire. Et eux aussi, quand ils vont sortir là, je suis venu sur l'internet là, ils étaient, je crois, un pasteur a rassemblé beaucoup de jeunes, de filles, un pasteur, dis-moi, pas une femme, mais un pasteur. Il s'est tenu debout devant ses fidèles, les femmes et les hommes. Lui-même pasteur en train d'enseigner. Tu enseignes quoi? Est-ce que toi tu peux te permettre d'enseigner de telles choses à ta propre fille? On peut bien le faire. Devant ta propre fille, est-ce que tu oseras de dire de n'importe quoi ce que toi tu fais dans ta chambre? Tu oseras de le dire à ta fille. Mais pourquoi détruisons-nous les enfants, les filles d'autrui, les enfants d'autrui? Alléluia. Amen. C'est la destruction totale. Un papa comme toi, tu as 60 ans, tu es pasteur, tu te permets de dire de n'importe quoi ce que toi tu fais dans ta chambre, tu te permets de le dire à une fille de 16 ans. Et puis, d'aller leur sortir, ah, pasteur, ah bien Seigneur, nous avons beaucoup appris. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes ont perdu leur mariage. Parce que nos mains, il leur manque ceci. Tu vois, qu'est-ce que tu as communiqué dans leur tête? Rien du tout. Ils n'ont pas eu la connaissance de Dieu. Au lieu d'aller méditer la parole de Dieu, ça sera maintenant comme si la folie dans leur tête. Devant sa Bible, elle peut même commencer à méditer la parole de Dieu. Dès que la chose là arrivera dans sa tête, c'est la catastrophe, bien-aimé. Attention. Ici là, vous allez dire que non, cet homme est difficile. C'est Dieu qui me rend difficile à travers sa parole. Alléluia. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons respecter ce corps. Nous devons respecter nos corps. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. C'est clair dans la parole de Dieu. Troisième point, voici l'agneau de Dieu. Bien, nous devons faire voir aux gens, voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Amen. Dans l'église, nous devons faire voir au peuple de Dieu ce que Jean-Baptiste a fait. Il a fait voir à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Vous suivrez maintenant l'agneau de Dieu. Celui qui ôte les péchés du monde et celui qui ôtera vos péchés. Alléluia. Amen. Nous faisons voir quoi au peuple de Dieu aujourd'hui? Nous faisons voir quoi au peuple de Dieu aujourd'hui? Voilà pourquoi je vous ai dit de lire dans 2 Timothée 3:16. Les Écritures est là pour corriger, pour instruire. Alléluia. Amen. Pour indiquer. Si tu es corrigé selon la parole de Dieu, si la parole de Dieu te corrige, si la parole de Dieu t'instruit, bien aimé, tu n'oseras pas de changer la parole de Dieu. Tu n'oseras pas de dire de n'importe quoi au nom de Jésus. Tu n'oseras même pas de te faire voir dans l'église de Dieu. Au lieu de faire voir au peuple de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, voici moi votre pasteur, je suis riche, je suis beau, et voici ma famille. Donc tu amènes toute ta famille devant là, comme si que ce sont des anges, Gabriel sont là, comme si que... Mais non. Alléluia. Amen. Tu amènes toute ta famille, tu amènes tes parents, tu amènes tes cousins, tu le fais voir au peuple de Dieu, est-ce qu'elles n'ont pas la famille? Alléluia. Elles n'ont pas la famille. Ou elles n'ont pas la famille. Tout le monde a la famille. Dieu t'a placé là pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu n'a jamais... Tu n'es pas là pour faire voir au peuple de Dieu ta famille, pour faire voir au peuple de Dieu ta femme, pour faire voir au peuple de Dieu tes enfants. Dieu fera quoi faire tes enfants? Il t'a donné la femme, il t'a donné les enfants, il t'a donné les parents, t'as pris pour toi, garde-les. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans l'église que tu viendras montrer à la masse dans l'église de Dieu tes familles, ta famille, tes cousins, tes cousines, tes enfants, ta femme. Nous devons faire voir au peuple de Dieu, hein? Voici l'agneau de Dieu. Oh, l'église de Dieu est convertie à une autre chose. Nous devons convertir que la monnaie, euros en dollars,
dollars aux francs congolais, mon frère CFA, alléluia. Pas l'église de Dieu à une autre chose. Non. Si nous sommes aidés, si 2 Timothée 3, 16 à 17 nous aide, bien-aimés, nous n'arriverons pas à convertir l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu, ni même la parole de Dieu. La parole de Dieu est totalement profanée, est totalement déformée. Comme je vous ai dit, dans l'église de Dieu, nous devons faire voir au peuple de Dieu que Jésus-Christ est. Nous devons témoigner que Jésus. Arrêtons avec nos expériences. Arrêtons avec nos expériences. Bien-aimé, comme tu es là, ce que Dieu a fait dans ta vie, tu dois témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Tu dois témoigner Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Ne témoigne pas aux autres ton expérience, que je suis dans cette église pendant 40 ans ou 5 ans ou 3 ans. Moi, c'est moi qui faisais ça. On n'a pas besoin de ton expérience. On a besoin de témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. On a besoin de témoigner ce que Christ a fait. On a besoin de témoigner ce que Christ a fait aux apôtres. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Ton expérience, cache-la. Cache-la, cache ton expérience. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de toi. Alléluia. Amen. Dans l'église de Dieu, oh, le temple de Dieu est devenu un lieu de fête. Alléluia. Amen. Tu étais parti étudier, si c'est où, si c'est en Irlande, si c'est au Ghana, si c'est au Gabon, tu viens avec ton diplôme. Il faut que tout le monde sache que non, je viens de l'Europe, je viens de Tchad, j'ai étudié, j'ai obtenu un diplôme, voici mon diplôme, voici mes diplômes. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Alléluia. Amen. Arrêtons avec toutes ces conneries. Faisons voir au peuple de Dieu l'agneau de Dieu. Enseignons le peuple de Dieu afin qu'il puisse être ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas de venir faire voir au peuple de Dieu ton orgueil, notre orgueil. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Tu es quelqu'un de la haine, tu viens, tu dis que non, moi je n'aime pas ça. Je suis quelqu'un de haine. Non, pas ça. Pas ça. Sois quatrième point. Sois plutôt convertir dans la vérité. Dieu attend de nous que nous soyons convertis dans la vérité. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça que Dieu attend de nous. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu, tu es l'église de Dieu. Nous devons nous convertir de la vérité, dans la vérité. Parce que c'est nous qui avons des défauts en nous. Christ n'a pas de défauts. Il y a des mensonges en nous. Nous devons avoir la vérité en nous. Nous devons abandonner les mensonges. Nous devons abandonner les choses de ce monde. Nous devons être revêtis de la vérité. Un point entré. Dans Actes chapitre 1er, Actes chapitre 9 plutôt, verset 1er à 4. Là nous verrons la conversion de Paul. Il s'est converti. Saul est converti de Paul. Alléluia. Actes chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle. Oh, je suis là. Actes chapitre 9. Moi, j'ai pris Actes.
Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui dit, et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Alléluia. Le premier quatrième verset, la Bible nous fait voir l'attitude de Paul, le comportement de Paul, de Saul plutôt, comment il était. Alléluia. Et comment il s'est croisé avec Jésus. Lui, il croyait que non, il persécutait le disciple de Jésus. Ok, il a eu la connaissance que non, il ne persécutait pas le disciple de Jésus, mais il persécutait lui-même Jésus. Alléluia. Amen. Il était Saul. Si nous prenons le verset 17, dans le même chapitre, la Bible dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alléluia. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vie. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Alléluia. Saul, la Bible dit, il n'était pas rempli de l'Esprit Saint. Mais quand Ananias raconta Pierre, Saul, il lui a dit tout ce que Jésus lui avait montré. Il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire dans la vie de cet homme Saul. La Bible dit, Saul était devenu aveugle. Quand on lui a posé la main, les écailles tomba dans ses yeux. Alléluia. Il recouvra la vie. Il n'a jamais resté aveugle. Et il était rempli de l'Esprit Saint. Voilà la conversion de Paul. Voilà le changement de Saul. Alléluia. Amen. Dieu a changé Saul. Dieu a changé l'image de Saul. Celui qui n'avait pas l'Esprit Saint à lui, il était revêtu de l'Esprit Saint. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, nous avons des défauts à nous. Dieu n'a pas de défauts. La parole de Dieu n'a pas de défauts. C'est à Dieu de nous changer. C'est à Dieu de nous convertir. Ce n'est pas à nous de convertir Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à nous de convertir la parole de Dieu. Nous devons revêtir la vérité de Dieu. Nous croyons qu'on est en train de prêcher la bonne nouvelle. Or que nous sommes en train de prêcher la mauvaise nouvelle. Alléluia. Donc il faudrait que Christ puisse venir nous convertir, nous changer nos vies. Saul croyait que tout ce qu'il faisait là, c'était bon. Alléluia. Or que c'était mauvais. Voilà pourquoi la route de Damas dit à convertir les pensées de Saul. Dieu a changé la mémoire de Saul. Dieu a converti la parole qui était dans la bouche de Saul. Parce qu'il parcourait avec la mauvaise nouvelle. Faisons beaucoup d'attention, bien-aimés. La Bible dit dans le verset 19, il était baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Bien aimé, quelle est la nourriture Paul Saul
appris. C'était la bonne nouvelle, alléluia. Mm-hmm. La nourriture divine que Paul avait eu. Il a mangé la bonne nourriture. Voilà pourquoi la Bible dit que non. La force, les forces, oubliez, les folles, les forces, revient à lui. Il avait pris la force. Il avait pris les forces. Il était rempli de la force de Dieu. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Oh! Que Jésus est le Fils de Dieu. Oh! Que Jésus est le Fils de Dieu. Hey! Que Jésus est le Fils de Dieu. Hey! Que Jésus est le Fils de Dieu. Hey! Que Jésus est le Fils de Dieu. La transformation de Saul. Saul a changé. Il n'a jamais prêché son maître à lui. Il était converti. Dieu a changé la position de Paul parce qu'il avait plein de défauts. Voilà, je vous ai dit que non, Paul n'a jamais mangé ensemble avec Jésus. Mais le jour de sa conversion, le jour de son changement, Paul a commencé à prêcher qui est Jésus. Il a oublié totalement leur maître. Ceux qu'ils ont envoyés, Pierre, Saul, les a oubliés totalement, bien-aimés. Nous avions déjà quitté le monde, mais nous n'oublions pas les mensonges. Alléluia. Nous avons déjà quitté le monde, mais nous n'arrivons pas à abandonner les choses de ce monde. Paul a oublié cela. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Paul a reçu la nourriture. Jésus dit dans sa parole, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant, enseignez-leur mes préceptes, enseignez-leur mes commandements. Paul était enseigné. Paul a reçu la nourriture divine. Voilà pourquoi aussitôt Paul a commencé à prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Il est fils de Dieu, il est fils de Dieu. Celui que je persécute, oh, c'est bien lui que mon Dieu. Alléluia. Amen. Ah. Plein de soucis. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement. Elle disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ce qui invoquait ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Non! Paul a changé totalement. Alléluia. Amen. Dieu a converti Paul. Dieu a changé la façon de voir de cet homme Saul. Il était réellement converti. Alléluia. Amen. Il était totalement converti. Bien aimé, si Dieu se permet de te convertir dans la vérité, ou de la vérité plutôt, bien aimé, tu seras quelqu'un. Tu seras une grande personne. Ne restez pas dans les mensonges. Il faut que tu sois, il faut que Christ puisse te convertir de la vérité. Qui te change de la vérité et de sa vérité. Il n'était pas la même personne seule. Il n'était pas venu pour lier les apôtres. Il n'était pas venu pour lier les fidèles de Jésus. Il était venu chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église de Dieu, tu changes l'église, tu convertis l'église avec tes fashion, avec tes histoires. Au lieu d'aller rencontrer Christ, aujourd'hui là, c'est maman pasteur qui va enseigner. Il va nous faire voir comment préparer la nourriture. Ah, ton âme, tu ne sais pas préparer. Hein? À ton âge, tu ne sais pas préparer. À ton âge, tu ne sais pas tenir le cuillère. À ton âge. À ton âge, tu ne sais pas saisir la cuillère, la fourchette. À ton âge,
préparer le pondou, c'est dans l'église. Mais non, que faisaient tes parents biologiques? Que faisait ta grande sœur? Alléluia. Amen. Mais c'est du passe du temps. C'est le passe du temps. Bien l'église pour écouter la parole de Dieu, pour que ta vie change. Afin d'hériter le royaume des cieux. Dis à l'église pour que tu sois converti par Jésus-Christ. Amen. Tu étais impudique, Dieu peut te convertir. Amen. Tu étais idolâtre, Dieu peut te convertir. Il est capable. Amen. Mais ne viens pas de rester avec tes histoires et de profiter qu'avec les choses de ce monde. Ça ne te fera absolument rien. Ce jour-là, le dernier jour, tu resteras toi avec tes histoires que tu as prises dans ton église. Toi, tu crois qu'au dernier jour, Christ te posera la question. On t'a fait voir comment préparer le semoule. C'est ça qui sera la question de Jésus. Tu crois que Jésus te posera la question. On te fait voir comment servir ton mari dans la chambre. Ce sont des questions banales. Jésus ne posera jamais de telles questions. Amen. Ce sont même des questions négatives auprès de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a dit dans Genèse, multipliez-vous. Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Dieu a donné l'intelligence à la femme. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'ils feront. Quand Dieu a dit, multipliez-vous, cela veut dire qu'il a tout accompli dans leur vie. Si vous êtes marié, Christ a tout accompli cela. Alléluia. Amen. Même si que tu es ignorant ou ignorante, tu n'as jamais fait toutes ces choses-là, bien-aimé. Le jour que Christ vous initiait, sachez-le que non, il y aura la connaissance divine en vous. Alléluia. Personne ne viendra vous montrer. Personne. Déjà, vous avez deux enfants, trois enfants, et puis voilà l'église. Maman passée va nous montrer très très bien. L'église de Dieu est convertie. C'est du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Arrêtez avec ces histoires-là. Prêchons la vie éternelle. Prêchons la sanctification. Prêchons les péchés. Prêchons la repentance. C'est ça que Dieu attend de nous. Il y a des défauts en nous. La parole de Dieu n'a pas de défauts. La parole de Dieu n'a pas de défauts. Cependant, Saul se fortifia de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontra que Jésus est le Christ. Alléluia. Amen. Démontra que Jésus est le Christ. Alors nous avons dit que Paul a prêché. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Au chapitre 20. Mais au chapitre 22, la Bible dit, Paul démontra, Saul démontra que Jésus-Christ est le Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne détruis pas ton corps. Ne détruis pas ta vie. Mais il est beaucoup mieux. Laisse-toi entre la main de Jésus. Jésus est capable de changer ta vie. Amen. Si la vie de cette femme, Rahab, celle qui était prostituée, sa vie a été changée. Combien de fois ta vie à toi? Alléluia. Amen. Tu n'es pas prostitué. Mm. Si Paul est criminel, est bandit, sa vie a été changée. Combien de fois la vie de vous et moi, même si on est des voleurs, Dieu est capable de convertir notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Mais ce n'est pas à nous de convertir la vie de Jésus. Ce n'est pas à nous de convertir la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de changer la parole de Dieu, l'église de Dieu, à une autre chose. Non. Aujourd'hui, l'église de Dieu est totalement changée à une boutique, à une entreprise privée. L'église est devenue le royaume privé. L'église est devenue la boutique privée. L'église est devenue l'entreprise privée d'une certaine personne, d'un certain pasteur, d'un certain évangéliste, d'un certain prophète, d'un certain docteur, d'un certain apôtre. L'église n'est pas un royaume. L'église n'est pas nos royaumes. L'église appartient à Dieu. Alléluia. L'église appartient à Dieu. Elle n'est pas nos propriétaires. Non. Convertir l'église à une boutique.
à une entreprise, nous devons convertir l'euro en dollars, dollars en euros, euros dollars en francs congolais. Alléluia. Ce n'est pas de convertir l'église à nos boutiques, à nous ou à nos entreprises. Non, il faut abandonner toutes ces choses-là. Respectons l'église de Dieu. Le culte de Dieu n'est pas un endroit de faire voir aux femmes. Je vous ai dit aux femmes comment peuvent servir leur mari dans la chambre. Alléluia. Donc nous devons respecter l'église. L'église n'est pas un lieu, n'est pas un endroit que nous puissions faire voir aux gens comment garder la haine et la colère. Non, nous devons respecter l'église. D'abord l'église c'est vous et moi. Quand je vous enseigne comment garder la colère, la haine dans vos cœurs, bien, mais automatiquement, je fais convertir l'église, le temple de Dieu. Alléluia. Entre la Bible dit que nos corps est le temple de Dieu. Je détruis directement les églises de Dieu que vous êtes. Alléluia. Tu deviendras sa marchandise. Oh, dernier point. Tu deviendras sa marchandise. Pour ne pas devenir la marchandise de ton pasteur que je suis, tu dois te laisser entre la main puissante de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et non, entre la main de ton pasteur que je suis. Si tu viens à l'église, si tu te laisses entre mes mains, tu seras utilisé. Alléluia. Amen. Je te dirai que non, prends ma Bible. Dès que je passerai devant toi, amen, apporte ma Bible. Alléluia. Amen. Tu es devenu une marchandise. Amen. Tu seras utilisé. Je faisais même te faire appel dans la maison, dans ma maison. Viens, nettoie ma maison, fais ceci. Non. Quand tu viens à l'église, tu te laisses entre la main de Dieu. C'est lui qui va te former. Bien qu'il travaille à travers ce serviteur, tu dois respecter ton pasteur. Tu dois respecter ton pasteur. Mais tu n'adoreras jamais ton pasteur. Alléluia. Pour ne pas devenir sa marchandise, il faut éviter. Tu es où? Ne convertis pas ton corps afin de devenir une femme prostituée ou un homme criminel, voleur de dîmes, voleuse de dîmes ou des offrandes dans l'église de Dieu, comme Judas a agi. Alléluia. Amen. Si ton pasteur à toi t'a confié la caisse bien-aimée, tu dois respecter les règles de l'église. Alléluia. Amen. Si tu es content d'être dans une église, tu dois respecter. Ce n'est pas de voler la dîme ou les dîmes. Ce n'est pas de voler les offrandes. Ce n'est pas que le pasteur qui mange les dîmes ou les offrandes. Et aussi vous, les enfants, vous les diacres. Moi j'ai vu les diacres en train de voler la dîme. Ben oui. Je veux qu'ils soient à Brazzaville. Oui. J'ai travaillé avec un homme de Dieu. Je ne peux pas dire qu'un grand homme de Dieu, parce qu'il n'y a pas un grand homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, il est vraiment reconnu. Je travaille avec lui. Cet homme de Dieu, vraiment, il a la main ouverte. Alléluia. Il a vraiment la main ouverte. Quand il reçoit les dîmes, quand il reçoit les aumônes, quand il reçoit les offrandes, il partage avec ses collaborateurs. Alléluia. Il partage avec ses collaborateurs. Il est comme ça. Mais à un moment, il a laissé la caisse au diacre. Le diacre lui-même, le pasteur, il savait très bien que non, on a beaucoup récolté. Alléluia. Amen. Mais à un moment, on présentait le montant chez leur pasteur, chez l'homme de Dieu en question. L'homme de Dieu a dit, mais non, vous ne pouvez jamais me mentir. Moi, je ne vous ai jamais menti. Je partage avec vous. Alléluia. Mm-hmm. Je partage avec vous. Moi, je n'habite pas ici. Parce qu'il venait de Kinshasa. Il a traversé juste pour une campagne. Moi, je partage avec vous. J'ai les mains ouvertes envers vous. Mais, là, vous détournez l'argent de Dieu. Je vous donnerai maintenant quoi? Il a dit, je ne suis pas convaincu à ce montant-ci.
vous allez vous dévoiler. Et c'était vrai. Les diacres, ont volé. Ils ont volé l'argent, l'offrande, les dîmes. Ils ont volé. Alléluia. Or que l'homme de Dieu en question, voilà, il a soutiré une partie. Il a dit à d'autres diacres de soutirer qu'une partie d'argent de mettre dans les caisses de l'église. Le reste, c'est l'argent. Sur 100%, je pense qu'il avait soutiré que, si je ne me trompe pas, 30% de cet argent. Alléluia. Mm-hmm. Les 70%, il a laissé à ses collaborateurs de partager. Alléluia. Mm-hmm. Comment? Tu viens à l'église de Dieu, toi, on te confie une mission, une caisse. D'abord, toi, fille, tu es devenu prostituée pour faire tomber que les enfants de Dieu, pour faire tomber ton pasteur, tu as converti ton corps. Pendant que Rahab a changé, Dieu a changé cette femme, mais toi, tu as décidé de prendre la place de Rahab. Laisse-toi entre la main de Dieu. Dieu changera ta vie. Si tu étais voleur, Dieu changera ta vie. Si tu étais criminel, Dieu changera ta vie. Ne restez pas à cette posture que cet homme Caïn, le premier criminel de ce monde. Il a transformé, il a changé, il a converti l'église de Dieu en un lieu de crime. Alléluia. Amen. Dans l'église, tu voles. Non, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs aujourd'hui donnent l'air que ça à leurs membres de chez eux, pas moi. Ils n'ont pas confiance de leur diacre. Mmh. Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs n'ont pas confiance de leur diacre. Ils préfèrent même donner la caisse dans sa propre famille. Ben oui. Ils confient la caisse dans sa famille. Va même entre la main de son fils. Va même dans la main de sa femme. Parce que vous le diacre, vous n'êtes pas honnête. Mmh. Toi, diacre Philippe était devenu qui? Évangéliste. Mais toi, diacre honnête, tu n'arrives pas à prêcher la parole de Dieu. Mais pourquoi tu es devenu diacre? Pourquoi tu étais devenu diacre? Pourquoi tu as accepté cela? Tu ne sais même pas méditer la parole de Dieu. Tu ne sais même pas exhorter. Diacre, pourquoi? Pourquoi tu es devenu diacre? Et vous trouverez dans une église 50 diacres. Ils font quoi? Ils font quoi? D'autres disent que toi uniquement tu es là pour arranger les chaises. Hein? Quand est-ce que tu comprendras la parole de Dieu? Quand est-ce que tu prêcheras la parole de Dieu? Quand est-ce que tu exhorteras la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Diacre Philippe était devenu évangéliste. Tu as le ministère à toi, mais tu ne sais pas. Tu as quelque chose de précieux en toi. Tu n'as pas de révélation. Alléluia. On te prête, tu es diacre, toi diacre, diabonise. Tu acceptes. Tu ne sais pas quoi faire dans l'église. 40 diacres dans une église. Comment expliquer? Alléluia. Et toi, mon frère, ma sœur, ne convertis pas ton corps afin de devenir prostitué, criminel, voleur de dîmes ou des offrandes dans l'église comme Judas. Sache-le que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ne deviens pas caillé afin de convertir le temple de Dieu à un lieu des crimes, des critiques, des jalousies, de la haine, etc. etc. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Fuyons les Écritures. Laissons la parole de Dieu telle qu'elle est. Prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est, selon la révélation de Dieu, selon l'inspiration de Dieu. Arrêtons de convertir la parole de Dieu. Arrêtons de changer la parole de Dieu. Arrêtez de convertir ton corps afin de devenir une femme prostituée
de devenir un homme criminel, un homme voleur. Alléluia. Tu dois changer. Nous devons changer. Si nous venons réellement en Christ, laissons-nous entre la main de Christ. C'est lui qui changera notre vie. C'est lui qui a la capacité de convertir nos vies. Alléluia. Ce n'est pas à nous de convertir la parole de Dieu. Parce que j'ai un profit. Je voulais prendre quelque chose. Voilà, je vais convertir la parole de Dieu. Tu as la parole à adresser au peuple de Dieu, la parole de la sanctification, la parole de la repentance. Comment hériter le royaume des cieux? Comment les gens vont abandonner leurs péchés? Mais toi, non, tu vois que non, dans ta poche, tu n'as rien. Allez, cette parole, je dois convertir ça à la parole de la prospérité. Non, Dieu est en colère. Alléluia. Dieu est en colère. Avec là, tu donnes le cours là. Si tu étais professeur à Elista, si tu étais professeur si c'est l'école là qui est derrière vous là, tu commenceras maintenant à donner le cours dans l'église. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Faisons voir au peuple de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Pas d'autres personnes. Ce n'est que Christ. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la connaissance divine en nous. Nous devons savoir que non, c'est Christ qui est Dieu. C'est Christ qui est le Sauveur. C'est bien lui qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est bien lui qui est le Roi des Rois. Et c'est bien lui qui délivre. C'est bien lui qui guérit. Pas d'autres personnes. En dehors de lui, il n'y a pas un sauveur, il n'y a pas un autre sauveur. Ne transformons pas la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est. Demain, après-demain, quelques années, vous aurez aussi la chance. Vous devenez aussi peut-être prédicateur, prédicatrice. Alors, il faut savoir comment dispenser la parole de Dieu. Comment prêcher la parole de Dieu? Comment enseigner la parole de Dieu? Si tu as le don de prophétie, il faut savoir comment prophétiser. Alléluia. Ne pas dire des mensonges au nom du Seigneur. Attention, dernier jour, nous serons sévèrement jugés. La Bible dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, pour te dire que le jugement de Dieu commencera par nous les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne verrez jamais que ça puisse venir dans cette église-là ou dans l'autre église-là en train de juger les membres de l'église A ou les membres de l'église B, de l'église C. Non. Quand la Bible nous dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Alléluia. Mmh. Toi qui as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es l'église de Dieu. Le jugement de Dieu commencera par toi. Par toi, par toi, par toi, par moi. Alléluia. Mmh. Il ne commencera jamais par ceux-là qui traînent encore dehors. Alléluia. Mmh. Nous sommes les églises de Dieu. Nous comprenons mal les écritures. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut arrêter de convertir la parole de Dieu. Si vous n'avez pas cette révélation-là, aujourd'hui, c'est cette révélation. Quand la Bible dit, au dernier jour, le jugement commencera dans l'église de Dieu. Ce n'est pas ici là, Jésus-Christ viendra, ici là, se met là, debout là. Toi qui passes là, il te pose la question, non, bien-aimé. Non, non et non. Dans ta maison, le jugement te trouvera là. Là, tu seras au champ. Le jugement se trouvera là. Au marché, le jugement se trouvera là. Alléluia. Tu es une église de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Voilà pourquoi, si ton corps était déjà devenu un corps de prostituée, un corps de voleur, appelle Jésus afin qu'il puisse pénétrer, de renverser le changeur de monnaie, de renverser toutes les marchandises. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Surtout pas ça, les amis sont mingi. Tous les gens dans l'église. Bah, terre, penza, surtout sanctification, bah, ça, dans Zambé, mingi, bah, n'a roté, on va dans Zambé. Mais bah, chrétien, n'a pas frère, n'a pas sœur, bah, ça, n'a besoin de sanctification, hein.
Mais basa na nzambe ba likote ya ngote mingi ba tera kaka ke bopambola mana mabala bopambola mana bana bopambola mana bambongo bopambola na mituka mais sanctification ba simba ngote mais nzambe azana posa mingi ba tera bana na nzambe sanctification tokoma komona na mokili oyo ukuta ekoma na kola vérité vérité. Cet hôpital a dit la vérité, tout le monde a tout nié. On t'a dit un mensonge, mais à bon moment, c'est encore une vérité. Donc, on a dit que c'est un gunda. Pendant que nous avons un gunda, un poto, on a dit un gunda. On a dit un gunda, ça a dit un gunda. On a dit un mensonge, tout le monde a dit une église. Ce qui n'a pas eu de temps, on a dit que la parole n'a pas changé. Ce qui est un dégoût. Mais yo pasteur zote ya kaka ba pambo na yo sanctification bolinga rangote nzambe merci parce que à l'église na biso ya tieta moze église na biso te église nzambe to te ya ka sanctification to te ya place nyonso a te suyo mote melinge pasuka esunga rabiso pote to zana posa to zala esika moko na papa na biso. On a monté tellement de bosso à terre à parole de Dieu. Mais nous autres, on a eu. Et comment le cola au papa terre à mon colombo et comment le cola ordinateur. Donc, nous autres, on a eu. Et nous autres, on a eu des accords ensemble. Mais mon tout monde a eu. Et nous autres, on a eu. Mon tout nuance à bêta. Mon ordinateur, mon tout nuance à bêta. Ben, on a eu. Tout le monde a eu un an, deux ans. On a bêta ordinateur. Nous autres, on a eu. Faut qu'on batte l'ango. Ah papa, le bim ou le jugement qu'il y a. Pour mingi to kani sakra. Que jugement qu'il y a dans quatre églises, to fani to yo kama te ya. Wana nzamba te mili bosa zo tanga bakombo. Yo nzo to no boy. Yo sala ki boy te. Papa, le la lingo li biso. To ye ba ki an wote me to ye bi ba ope. Ba yo ka ki an wote bisika bo zari bo la la mesaj yo bo ko ye ba. Bisika nyo so o ke kuta minamu ko la jugement. Nzamba ko tuna yo. Yo lingi sanctification te. On lui coûte la crainte en Zambété. On lui coûte la robe en Zambété. Mais on a soit disant Moussaïn en Zambété, soit disant sœur à Christ, soit disant frère. Mais quand il y a une parole, il est zaté. Zambalina, tant aux oeufs aux outils en Isala. Vous avez mis compte petit à petit. On recommande dans ma casse pour nous tous à Kenzambé ferme Sengaï. Tant aux oeufs Senga, mon Zambaroya au Sungaïo. Il faut que tu te manies à Koyoka. Si tu ne sais pas Nzambe, tu ne sais pas que tu es un mensonge. Mais si tu es un mensonge, tu es un mensonge. Tu es un mensonge. Tu es un mensonge. Tu es un mensonge. Mais dans l'église, tu es un mensonge. 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 Ako sale londe ni atake nzoto nao deja oto upesa muna makamunyoso okoma osala mingo lingi nzambe paza ane diktater te ako beto pete me mkola suka yebaka yebaka mkola suka ah, papa lobaki yo zola na tata wana mkola suka okomone kuna kota batu balati bilamba pembe okosuka hati tout ce qui va changer parole de Dieu. Ndenge ba komeli yango, ndenge to ko prêcher pa bana na nzambe. Ndenge ba lobeli yango, ndenge to ko lobana miswa ya bana na nzambe, fuba iyo ka fuba ba ko tchamo na misala. Tant yo so changer parole de Dieu, ou ta ko changer ndenge nini. Mingi to mona na l'église, ba so kumi saka ba te ya o ba mama ba lo ba kawana ba chambre ya banda ku ya wana. Mais oyo so tunye sanctification za nini na so tunye lobi nini.
Pour nous.